Je vais aller voir le nouveau film de Denis Villeneuve, Enemy, qui met en vedette Jake Gyllenhaal, et c'est leur deuxième collaboration ensemble après le film Prisoners qui est sorti l'automne dernier et qui a été mon film préféré de 2013, donc la barre était haute. Ce nouveau film a été tourné à Toronto et est basé sur un livre de José Saramago, un livre qui s'appelle The Double. L'histoire, en bref, c'est un jeune homme qui est professeur, qui a une vie très déprimante et qui, en se louant un film, découvre qu'il a un sosie. Il veut donc aller à sa rencontre, mais quelles seront les conséquences de rencontrer son double? Le film est mystérieux et baigne dans une ambiance sombre, lugubre et froide pendant les 90 minutes. La réalisation de Denis Villeneuve est excellente, le jeu de Jake Gyllenhaal aussi excellent dans les deux rôles, mais il manque quelque chose. Le film est comme une genre de courte histoire qui a été allongée sur 90 minutes, donc très peu de dialogue. Ça semble un peu une histoire à la Hitchcock. Par contre, il y a vraiment très peu d'explications. C'est le genre de film qui va vous demander des recherches sur Google après pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le film va être détesté par la majeure partie des gens qui vont aller le voir. Je le conseille seulement aux courageux. Je lui donne un 3 sur 5. Vous êtes avisés.